Et puis, ce qu'on voit, donc c'est l'évaluation, ça va aller sur votre sèche. On commence. Allez, revenez là. Vas-y. Allez, c'est parti, donc pour vous, sous discipline. C'est le seul, je vous le dis, on est prêt. Voilà, on remercie la première qui a cité la. La police, on remercie le premier. Arrêtez car moi je veux péter, mais moi le.
Voilà, un matin, pareil, entraînement. Thank you.
Ils sont à deux points. Allez, arrêtez là-bas. Voilà, là, là-bas, il dit ça, il te partage et tout. Lui, il dit pas de problème. Deux tours. Allez, c'est bien, relayez-vous un petit peu là. Il adore. Sam, il y a deux minutes. Allez, allez, c'est bien ça. T'as eu quand tu l'as dit il y a deux minutes, ça vous fait. Saint-Étienne. Et le peloton qui arrive avec toujours un coureur de Romain Père, trois coureurs de Chandelier, un coureur de Pointe-Tournon également, Émile Bellet qui est toujours dans le peloton. Donc la voiture nouveuse est fraîche, donc on a le coureur de tête là qui passe. Là, donc Joanne Delalère qui passe, du bon enfant. Il y a plus une cour qui passe à l'instant. Avec des écarts très importants, mais bon, il ne faut pas lâcher. Même si nous sommes maintenant à deux tours de l'arrivée pour cette course cadrée. Mais avec pas de gros dommages sur le en dehors du circuit, en tout cas de s'échauffer sur les routes à l'écart du circuit. Donc, qui a soif aujourd'hui parce qu'il prend un guidon. Ah non.
qui fait une très belle course avec maintenant un groupe qui a pris un peu par rapport au bon coureur de tête. Et donc on attend maintenant le coureur de Chambéry qui est en poursuite. Et on va voir arriver après le peloton. Qui vont passer donc pour leur dernier tour de course. Donc bravo pour Benjamin Joanne du Gonfort qui remporte le point de tableau. Donc bravo qui a remporté la seconde victoire de la saison. Timo Pellussin, donc complet plaisir qui termine deuxième de l'épreuve. Donc bravo à lui. Donc tous les coureurs s'arrêtent et vous voulez faire le côté, vous ne restez pas sur le circuit s'il vous plaît. Tous les coureurs s'arrêtent. Et vous ne restez pas sur le circuit. Pedro Valence qui va s'arrêter également. Voilà, c'est terminé. Et donc on attend toujours le concours de Chambéry de Saint-Rambert qui va s'arrêter également. C'est terminé. Et voilà donc le 5 coureurs de Chambéry qui remporte la 3ème place. Il s'agit du deuxième 44. Le sprint de la 5ème place. Et voilà donc un coureur de Chambéry également qui prend la 5ème place. Et voilà pour cette course pour vous. Pas de demi-tour à l'épreuve, on se met sur le côté s'il vous plaît. Sur le côté, on vient faire un sens inverse de la course s'il vous plaît.